Coucou les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère. Moi, ça va. Alors, aujourd'hui, on est au deuxième jour. J'ai décidé de faire un vlog en deux fois. Hier, j'ai dû fermer brusquement parce que mon téléphone, j'ai des soucis avec le téléphone. Et là, je tourne. Je regarde, il est déjà 2 heures. Je vais faire quoi à manger? Qu'est-ce que je vais faire à souper ce soir? Alors déjà, j'ai ouvert mon frigo, il y a le bordel là, je vais essayer de ranger vite fait. Je vais vous montrer. Donc, on va essayer. Mais je ne vais pas le nettoyer, rien, il est propre, hein, mais je vais juste remettre 2-3 trucs. Si vous avez des idées ou quoi, oh, tous les jours, on se demande ce qu'on va faire à manger. Donc, toutes ces boissons, elles peuvent aller en bas. Vous voyez, ça j'adore, enfin les enfants aussi, c'est du thé vert. Désactiver l'alarme. C'est du thé vert, les enfants adorent. Alors il y a ça aussi, choups à la fraise, c'est aussi bien sûr qu'ils adorent. Mais tout ça, je donne vraiment léger. Alors ici, c'est tout ce qui est sauce chaude ou froide. Oh. Ici aussi, c'est des sauces. Voilà. Alors, oulala. Je vais mettre le côté ici, boisson. Ça, c'est mon fromage. Ah, je vous avais déjà dit, hein, il y a la burrata du Aldi. Elle est excellente. Oh là là, elle est vraiment excellente. Donc ici, c'est tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est sauce. Ici, c'est boisson, yaourt et voilà. Ici, c'est mon panier tous les jours, en fait. Tout ce qui est déjà ouvert, il le met dans le panier, il le retire. Donc là, je vais essayer... Vous voyez ce que j'ai dans mon frigo. Alors moi j'adore dans les épiceries, les magasins turcs, c'est toutes ces boissons. Alors j'achète toujours à la mandarine. Oh qu'est-ce que c'est bon ça, c'est vraiment à la mandarine. Il n'y a pas beaucoup de sucre ou alors citron. Ce que j'achète aussi dans les épiceries turques, si vous ne savez pas se passer, ça s'appelle du soujuk. Du soujuk, c'est une saucisse sèche comme ça, qui est fort épicée, c'est au cumin. Oh, je le laisse dans la boîte. Hein. Alors ça, c'est l'emballage, hein, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas moisi. C'est pas sale, c'est vraiment l'emballage. Épicerie turque, c'est que... En fait, ce que je vais vous montrer là, tiens, ça va changer. C'est tout ce que nous, on a l'habitude de manger, que je mange tous les jours, mais depuis que je suis née, par rapport à mes origines. Alors ici, on a du beurre. Vous voyez, de chèvre. Il n'est pas fort, c'est excellent. C'est du tereya. On appelle ça tereya. C'est turc et grec, en fait. Hein. Alors, l'incontournable, c'est les olives. J'en ai 6 sortes. Alors, je les fais moi-même en saumure. Je les nettoie. Je mets de l'huile d'olive, première pression. Des fois, de l'ail, des petites paillettes de piment. C'est vraiment aléatoire. Alors... l'incontournable chez nous aussi, qu'on utilise quasi tous les jours, c'est le concentré de tomates. Donc, vous voyez, on les achète directement dans le gros, comme ça. Alors, le soujuk, je viens de vous montrer le saucisson. C'est exactement le même, mais en plus petit. Regardez. Soujuk. Vous voyez, c'est le même. Alors, aussi. Alors, ça, c'est aussi un fromage turc grec. Le manouri, oh, on adore. En fait, le déjeuner chez nous le matin, c'est des olives, du thé ou du café, avec des tomates, une salade de concombre, du soujuk, franchement, et des omelettes, de toute façon. Chez nous, même de la soupe. Chez nous, les petits déjeuners sont très, très, très consistants. C'est affolant. Vraiment, hein. On a l'habitude, on a grandi comme ça. Vous voyez, je vais juste... je ne fais pas un truc parfait. Hein. Je remets juste 2-3 trucs en ordre. Alors ici, tiroir à fromage. Hop. Alors ici aussi, c'est du pastrami. La viande séchée. Ça, je vais pouvoir le mettre comme ça. Alors...
ici le ketchup, il va venir là. Hop. Le lait pour mon chat. Alors, je suis en même temps en visio avec ma soeur. Je vais vous montrer ça. Voilà. Si vous entendez des voix, c'est que je suis en visio avec ma petite soeur. On est inséparables. On est toujours en visio. C'est toujours, 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 en fait. Et là, je suis en train de travailler la vidéo pour vous. Donc, voilà. Donc, c'est pour cela que vous entendrez mon petit neveu d'amour que j'aime plus que tout. Alors, ici, c'est encore un fromage turc. Ça s'appelle lor, du lor peynir. Ça, on fait beaucoup les börek avec cette sorte de fromage. C'est les petits pains fourrés. Alors ici, les yaourts, on va les garder. Alors, j'ai mon gingembre que j'achète toutes les semaines. Et vous voyez, je le mixe et je le mets dans un petit pot. Et dès que j'en ai besoin, ben voilà, il n'y a plus qu'à prendre une petite cuillère et c'est OK. Alors, la vue ne doit pas être terrible, je suis désolée. C'était vraiment feeling, hein, le frigo. C'était pas prévu du tout, du tout, du tout. Est-ce que ça vous intéresserait des petites vidéos comme ça sur mes origines turques? Un petit peu de... Allez, vous expliquer un peu la culture. Comme par exemple, là, je vous ai montré 2-3 trucs qu'on mange beaucoup chez nous. Qu'on sait, je dirais même quasi plus passer. Si ça vous intéresse... Alors, je suis désolée si cette vidéo est mal faite. Voilà, alors ça, on le mange tous les jours. Alors ici, voilà. Et derrière, c'est tout. Ah oui, chez nous aussi, on mange beaucoup de yaourt. On fait du ayran. C'est-à-dire qu'on mélange le yaourt avec un petit peu de sel et de l'eau. Et on le secoue bien jusqu'à ce qu'il mousse un petit peu. On fait beaucoup de soupe au yaourt. Le yaourt, on l'utilise énormément. Mais en général, je le fais moi-même. On a toujours fait notre yaourt maison. Donc voilà. Alors ici, ça, c'est le yaourt. Un petit peu de sel, on va laisser ça comme ça. Ici. Hop, ça, je le mets dans le tiroir à sauce. Voilà. Ça, dans le panier, parce qu'ils vont le manger. Sur le gratin. Ça, je le remets comme ça. Comme ça, vous voyez mon frigo. Ce que j'ai, ce que j'ai pas. Je ne sais pas maintenant si ça va vous intéresser. Mais c'est chouette parce que, comme je vous dis, c'est vraiment inattendu. C'est un truc au feeling que j'ai fait. Alors ici, encore. Alors ça, c'est très, très connu chez nous. Normalement, on utilise la marque Ouloudag. On appelle ça du gazoz. Alors en français, je ne saurais pas vous dire. En fait, c'est un style de limonade, mais pas citronné. Elvire, c'est un goût. C'est des montagnes chez nous, en fait. Et c'est le goût naturel. C'est incroyable, mais c'est vraiment le goût naturel. Alors, de l'eau. Ça vire un peu à la framboise. Un goût très spécial. Je ne saurais vraiment pas vous expliquer. Mais chez nous, voilà. Ça, c'est la boisson nationale. Dans les softs. Hein. Alors, ce que j'ai ici. Voilà. Alors, ça, c'est mes fleurs d'oranger. Fleur d'oranger, vous savez. Bon, bien sûr, je mets ça dans les pâtisseries, etc. Mais aussi, des fois, quand je fais un bon thé à la menthe, je mets ma petite fleur d'oranger. Bon, c'est quand même mieux. Hmm? C'est pas parfait, mais c'est mieux. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va cuisiner ce soir? Alors, la soupe que j'ai fait hier. Une tuerie. Il faut aimer, comme j'ai dit, les épices. Il y a beaucoup de coriandre. Je vous ai montré, on l'a fait dans le ninja. Et vous allez voir qu'avec le ninja, vous n'avez pas besoin de 10 casseroles. Il fait tout. On a sauté les oignons, la viande dedans. On fait cuire en pression. On fait tout avec. C'est super. Et la soupe, elle est vraiment excellente. Aujourd'hui, le temps, il fait mauvais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Il pleut. Donc... Hier, on a eu un beau temps, par contre. Donc, voilà. Maintenant, je vais chercher ce que je vais faire à manger. Je dois aller... Ah oui, tous les matins, je vais conduire mon fils à son stage, à son boulot. Et tous les soirs, je vais aller le chercher. Aujourd'hui, je vais voir ce que je vais faire à manger. Si ça se trouve, ben, je le filmerai. On verra bien. Dites-moi si vous avez des envies. Donnez-moi des idées, ce que je peux faire pour vous faire plaisir. Il faut surtout pas hésiter, vous savez bien. Moi, c'est vraiment un plaisir de partager. C'est
Voilà, en plus, j'ai des commentaires magiques. Que vouloir de plus? Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Bisous! Alors, je suis allée au Deleuze. Vite, 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 vite fait. Alors, il m'a draché dessus. Il drachait d'un coup. Tout est mouillé, d'ailleurs. Alors, avec la carte Deleuze Plus, on a beaucoup d'un plus un gratuit. C'était dans le cas des torchons microfibres, ici. Un plus un gratuit pour ceux qui ont la carte, mais extra. Hein. Alors, j'ai pris ici un céleri frais. Bon, parce que maintenant, le retour des soupes et tous les bons petits plats mijotés, voilà. Et hier, pour ma soupe, j'aurais bien voulu en avoir, mais il n'y en avait pas. J'ai pris un persil plat. Alors, deux roquettes comme ça. Si les enfants l'adorent. Hein. Une pote de poireaux. J'ai pris un poulet entier. Alors ici, j'ai c'est des tomates en grappe. Il y a 1,3 kg. Alors, j'ai pris à la boucherie du Deleuze du foie de volaille parce que je vais faire un pâté, une mousse de foie de volaille avec vous pour vous montrer. Voilà, j'ai repris des bananes. Hop. Alors ici, j'ai pris un chou-fleur. J'ai pris de salami de poulet. J'ai pris du lait frais comme ça avec du yaourt de brebis. Oui, du yaourt de brebis parce que je vais faire du yaourt maison. Alors, un fromage à tartiner. Et un petit sucre. Donc, voilà ce qu'il en est pour les courses. Donc, voilà. Comme promis, aujourd'hui, on va faire une recette super simple de mousse de foie de volaille. Un genre de pâté de foie de volaille. Alors, comme je disais, les fêtes approchent. Donc, ça sera toujours bienvenu. Alors, moi, je vais vous montrer. Je fais la recette avec Cucomix. On va faire ça avec le robot, mais vous pouvez très, très bien la faire avec une casserole et puis un mixeur. Hein. Faut pas vous inquiéter pour ça. Alors, vous pouvez changer la recette de base. C'est ce que moi, j'ai fait de toute façon. Alors, normalement, il faut du foie. Alors, je vais vous expliquer. Hein. Moi, j'ai doublé les portions, bien sûr. Mais la recette de base, il faudra 350 g de foie de volaille. Voilà, moi, je l'ai bien nettoyé. Alors, il vous faudra deux échalotes. Alors, moi, j'avais plus d'échalotes, mais j'ai des oignons parfumés. C'est des oignons spéciaux. Et il y a l'équivalent de 4. Comme je double tout, je vous avais dit. Alors, 185 g de beurre. Alors, moi, ce que j'ai fait, on va faire x2. Ça fait beaucoup trop. Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai mélangé de la graisse de canard avec du beurre. Et en tout, j'en ai pour 630 g. J'ai diminué un peu les graisses. Alors, une feuille de laurier. Il vous faudra une pincée de poivre. Une demi-cuillère à café de sel. Moi, je vais mettre de la fleur de sel. Alors, deux cuillères à soupe de cognac. À la place du cognac, je vais mettre du porto rouge. 170 g, 170 g de Riesling. Moi, à la place, je vais mettre 100 g de vin. Je vais mettre beaucoup moins. Vous voyez, alors vous pouvez mettre, vous pouvez le faire sans alcool, hein. Vous pouvez mettre d'autres alcools, uniquement du vin blanc, uniquement du porto, uniquement du cognac. Vous pouvez mettre des grains de poivre, des baies, vous pouvez, mais franchement, il y a plein de façons. Donc voilà, on va commencer la recette. Alors on va voir, je vais vous montrer comme c'est super simple. Cette application, hop, je fais démarrer la recette et il va me dire ce que je dois faire, tout simplement. Alors, deux échalotes épluchées, on les ajoute dans le robot. Alors, je vais vous remonter comme ça, vous voyez un peu mieux, voilà. Suivant, vous allez voir, comme je dis, c'est une recette Thermomix. On sait toujours la faire au robot. Alors, on nous demande de mettre les échalotes. Je referme. Il nous demande de les hacher puissance 5 pendant 5 secondes. Je voudrais bien trouver un truc pour vous montrer les deux. Moi, je suis l'application. Comme ça, vous voyez ce que ça peut vous aider. Cucomix, c'est gratuit. Vous vous inscrivez, vous avez toutes les recettes dedans. Hein. Et c'est une recette Cucomix. J'ai fait exprès d'en prendre une là
qui valent le coup. Parce que si c'est pour trouver des recettes qui n'ont pas de goût, qui ont des inconvénients, ça ne sert à rien. Celle-là, je l'ai déjà fait plusieurs fois, de plusieurs façons. Donc voilà, on va faire comme il demande. Pendant 5 secondes, puissance 5. Vérifier. Alors, je vais racler les parois pour bien remettre dans le fond et je vais repasser un petit coup. Moi, ce n'était pas des échalotes, c'était un super gros oignon, vous l'avez vu. Hein. Donc, je vais quand même le refaire par acquis conscience. Donc on re-racle pour tout mettre dans le fond du bol. Alors maintenant il nous demande d'ajouter 5 g de beurre demi-sel. Donc moi ça va être 10 g. Alors j'appuie sur balance. Alors ici j'appuie sur balance, 5 g de beurre demi-sel. Allons-y, moi ça va être 10 g. Comme j'ai doublé les quantités. Alors, pour la graisse de canard, il y en a partout, partout, partout. Hein. Moi, je la prends chez Intermarché. Alors, on rajoute, il demande de rajouter le gobelet concentré. Voilà. Alors, il nous demande 3 minutes à varoma. C'est 120. Donc, moi, je vais juste faire 5 minutes, comme j'ai plus. C'est ça qui est bien. 5 minutes au varoma. Le varoma, c'est le petit panier vapeur qu'il y a. C'est 120. Avec la petite cuillère qui tourne en sens inverse pour qu'il mélange. Alors là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va saisir, c'est qu'il va faire rissoler les oignons. Voilà, quand c'est rissolé, je vous reprends et je vais vous montrer hein, comme il explique. Alors, c'est étape par étape. Vous voyez, à chaque fois, vous mettez sur suivant, suivant, suivant. Par exemple, après avoir fait ça, suivant, ben, il faudra mettre le Riesling ou autre pour vous faire précédent. Donc, voilà. Bon, j'attends que c'est fini, je vous reprends. Ils sont passés. Maintenant, on ajoute le Riesling, le vin, voilà, ça dépend des goûts. Alors, c'est 170 grammes, 170 grammes. Moi, je double, mais je vais en mettre quand même moins. Oups. Alors, moi, je vais mettre, je ne vais pas mettre 240, je vais mettre 200 ml de vin blanc, du normal, 200 grammes, pardon. C'est du normal, hein. Même moi, je vais dire ça. Attendez. Voilà. J'ai quand même mis 200 grammes de vin blanc. Mais normalement, c'est 170, 170 grammes de Riesling. Ensuite, on met les 350 g de foie de volaille. Comme je vous dis, moi, c'est doublé. J'espère que vous avez une vue. Je suis vraiment désolée. On met la feuille de laurier. Alors, si vous n'avez pas le robot, vous faites ça dans un faitout. Hein, sans aucun souci. Vous imaginez que vous avez votre faitout et voilà. On met la feuille de laurier. 2 pincées de poivre. Alors,
quand même un peu mélangé. Donc on a fait rissoler les oignons, on a rajouté le riesling ou alors le vin blanc, on a rajouté le laurier, le poivre et le foie de volaille cru. On ferme le tout avec le gobelet doseur. Et là, on va faire cuire 15 minutes à 80 degrés. On laisse la petite lame au numéro 1. Donc, 15 minutes. Et voilà. Pour l'instant, vous voyez, rien de sorcier. Même si vous le faites dans un fait tout, c'est super simple. C'est vraiment, vraiment... Et vous allez voir que le résultat, vous allez être bluffé. Donc, je vous reprends dans 15 minutes. Voilà, le temps est écoulé, ça a cuit. Moi, je l'ai mis, finalement, j'avais mis 20 minutes. Il fallait 15 minutes à 80 degrés. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais mélanger un petit peu. Ah oui, vous pouvez prendre du foie de canard. Hein. C'est du foie de volaille, mais le foie de canard aussi, c'est excellent. On n'a pas à avoir peur. Alors, suivant. Alors, replacez les foies de volaille dans un bol. Alors, c'est ce qu'on va faire. Oh, il y a une odeur magnifique. Ça sent vraiment, ça sent déjà bon. On se dit, oui, les foies de volaille, mais non, ça sent bon. La petite décoction avec le laurier, avec le vin, c'est magnifique. Ensuite, on rajoute le beurre. Ensuite, le cognac, 2 cuillères à soupe de cognac. Alors, c'est double, mais au lieu d'en mettre 4, je vais en mettre 2. Deux petites en plus, hop, voilà, c'est plus cassé. Le sel. Non, le sel pas trop parce que votre beurre est déjà demi-salé. Donc, moins. Mettez-en quand même moins. Alors, le poivre, une pincée de poivre. Voilà. Donc là, la recette est pratiquement finie, je vous montre. Alors, on doit mettre notre petit gobelet. Voilà. Et pendant 45 secondes, à vitesse 9, on va mixer le tout. Voilà, je mixe tout, je vous reprends. Donc voilà, j'ai mixé le tout. Et notre mousse de volaille est faite. Tout simplement, vous avez vu, comme j'ai dit, si vous avez un petit mixeur et un fait tout, une casserole, c'est possible aussi. Alors maintenant, je vais vous montrer comme ça donne. Vous voyez?
Alors maintenant, il faut transvercer soit dans une terrine, soit dans un bocal, dans des petits bocaux, pardon. C'est vraiment à votre convenance. Alors moi, je vais remplir des petits bocaux comme ça, que j'ai stérilisé, nettoyé. Je mettrai un petit peu de graisse de canard au-dessus pour la conservation. Et minimum 3-4 heures au frigo avant de servir. D'ailleurs, le faire la veille le soir, c'est encore meilleur. Donc voilà, voilà pour notre mousse de canard. J'espère que la recette vous aura plu. J'espère que vous allez la faire, me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose de mal expliqué ou de manquant, vous venez, vous, dans les commentaires, vous me dites. Il ne faut surtout pas hésiter, vous savez bien, ça me fait toujours plaisir. Donc moi, je vous dis bon appétit. Alors, je vais vous montrer hein, notre foie de volaille. Ici, j'aurais dû mieux le tasser, mais il va vite partir. Donc, c'est pas pour la conservation. Alors, au-dessus, j'ai mis... Il est tiède, hein, donc ça fond. J'ai mis de la graisse de canard pour la conservation. Pardon. Vous voyez, maintenant, elle va devenir blanche, elle va durcir. Et après, on ferme bien au frigo et ça se conserve pas mal. Alors, vous avez vu, franchement, ça coûte rien. Le Porto, c'est le moins cher. Je l'ai eu à 4,90 la bouteille et vous pouvez en faire des tonnes avec. Hein. Le vin, pareil. Ça, le foie de volaille, ça ne coûte rien du tout. Vous faites plaisir avec quelque chose qui est super bon. C'est fait maison. Vous savez ce que vous avez mis dedans. Tout est contrôlé. Un petit cadeau de Noël, vous faites un panier. Ben vous faites ça vous-même. Ça fait plaisir. Donc, voilà. J'espère que vous allez aimer. Nous, on adore ici.